إطالة في الأول سعد ولي مسجد صالح شوقي. Ce n'est pas la première fois que je viens à Aucas, et même à ce lieu, me semble-t-il, me semble. J'ai déjà eu l'occasion de le passer ici. Et il faut se réjouir de cette liberté que nous avons de faire des conférences à Aucas, une liberté qui est une conquête d'avril 80. Dans le reste du pays. Mais nous les faisons dans les maisons. Parce que la liberté de fonctionner en public n'a pas été acquise. Ça mérite en fait des développements. La situation est beaucoup plus nuancée que ça. Mais voilà, il n'y a que dans la wilaya de Béjaïa et accessoirement dans la wilaya de Bouira et de Tizini. Et le reste du pays, les métropoles du pays où existe pourtant une vie politique, où des courants très importants ont pu se développer, comme l'islamisme par exemple, eh bien, on n'a pas cette liberté. J'aurais voulu proposer un autre thème, où on serait plus à l'aise, comme, je ne sais pas, l'histoire de la révolution chinoise, ou un thème qui nous mettrait à l'aise, parce que le thème du mouvement populaire qui s'impose à nous, puisqu'il est là et que nous sommes dedans, eh bien, il va être difficile d'être satisfait de nos réponses. Yanni, ça ne s'invente pas. Nous sommes dans une situation difficile, dans une crise de perspective depuis longtemps, et dans ce mouvement, cette crise de perspective est confirmée. Et quand vous manifestez, et je manifeste depuis le début, eh bien, les gens qui manifestent s'adressent à moi en me disant les gens qui sont là, qui manifestent, toute la population algérienne qui s'est politisée considérablement depuis février, eh bien, c'est encore plus évident. Il y a un sentiment d'impasse qui existe. Bien. Alors, il ne faut pas que je sois dépassé par le temps. Il ne faut pas que je sois dépassé par le temps, parce que je suis habituellement très bavard. Et il m'a dit 40 minutes, Yannick. Je considère que c'est une. Alors, nous avons donc une explosion populaire, un mouvement populaire depuis le 22 février. Il y a eu des prémices avant le 22 février, il y a eu le 16 février de Khabata, il y a eu les visites de Neguez, qui est pourtant plus proche d'un amuseur public que d'un porteur de projet. Mais ces visites à Khenchla et dans d'autres villes de l'Est notamment, ont révélé un potentiel politique, ont révélé le fait qu'il y avait une jeunesse par milliers qui attendait un changement, qui attendait quelque chose. L'explosion, donc, on appelle ça mouvement populaire du 22 février, c'est d'abord les jeunes qui en ont été le moteur. Pour vous rappeler comment ça se passait, et c'est vrai que je ne peux pas parler pour les 48 wilayas, où là pour les 60 ou 70 villes ont eu lieu des manifestations.
mais pour les grandes villes que je connais, ce qui se passait, c'est que les gens politisés, les militants, jeunes ou vieux, ils revenaient le soir pour faire le point et ils disaient « Rami Goulou », ils sont en train de dire tel mot d'ordre ou tel autre, etc. Et au départ, très peu ont osé avancer un mot d'ordre à côté des mots d'ordre des jeunes supporters essentiellement. Et donc, c'est une explosion marquée par le dynamisme de cette jeunesse. Une jeunesse qui, je le rappelle, n'a pas commencé à faire de la politique le 22 février. Dans les stades, depuis 1984, il y a des slogans politiques. Il y a des événements mémorables, comme ce stade de la Coupe d'Algérie où on a humilié Hamrouche en sortant des parapluies en plein été. Il y a des slogans de toutes sortes sur la hausse des prix, sur, par exemple, le soutien à Kadhafi à l'époque où toute la presse, toutes les élites sociales d'Algérie étaient pour l'offensive de l'OTAN humanitaire qui détruisait la Libye pour le bien-être des Libyens. Eh bien, dans les stades, on était contre, on s'exprimait autrement. Lorsque, si vous vous souvenez, à Ain Mlila, ils ont mis un tifo où Trump et le roi d'Arabie étaient collés, et où Yahya s'est excusé auprès de l'ambassade d'Arabie Saoudite. Mais donc, les jeunes de Ain Mlila étaient sur cette démarche anti-impérialiste, sur cette démarche contre les monarchies réactionnaires et serviles au service de l'impérialisme. Bien. L'expression de notre mouvement, il y a eu un anti-impérialisme de l'État. Et il y avait, donc, auquel je fais référence avant le 22 février, mais ça s'est exprimé tout au long, jusqu'à ce drapeau palestinien qui était là partout. Bien sûr, il y avait un phénomène d'identification contestable pour certains, là, mais c'était l'oppression des Palestiniens qui était en vue, et non pas, sinon ils auraient mis la photo de Kaaba ou de Al-Quds, si c'était une manifestation religieuse. Il y avait aussi une aspiration à un mieux vivre. Évidemment, il n'y a pas de slogan suffisamment clair là-dessus, mais si vous vous souvenez bien, les Harraga promettaient mes idoches Hargo et réchauffer plein d'hommes, mais je me souviens de revendications concernant les salaires, pas générales, mais je me souviens notamment d'une banderole qui revenait de vendredi en vendredi qui disait le footballeur touche 300 millions, le député 30 millions et moi je touche 2 millions ou 400 000 pour l'handicap. Il y a eu des expressions comme ça, mais pas systématisé. Il n'y a pas eu un mot d'ordre central bien dessiné, il n'y a pas eu une conscience claire de cette rupture sociale que faisaient les jeunes. Khlitoul Bled Yasser Rabin, Hlel Wanaqsh, ça s'interprète. Évidemment, pour Sadaqin qui contrôle les journaux, Khlitoul Bled Yasser Rabin, il y a les Bouteflika et ses cousins les plus proches, où Sadaqin, démocrate et républicain, continueront et seront dans le cadre de la démocratie algérienne, etc. C'est comme ça qu'ils interprètent la chose. On pourrait l'interpréter autrement et dire Khlitoul Bled Yasser Rabin, il faut une société où il se les ramakage. Et c'est quoi se les ramakage toujours encore? C'est-à-dire qu'on peut considérer qu'il s'agit de ce système où ceux qui travaillent vivent au bord de la misère et ceux qui vivent du travail des autres accumulent les châteaux, les appartements dans les beaux quartiers de Paris, etc. Alors, régulièrement, Gaït Salah relance la question de la spontanéité du mouvement, etc. Un mouvement de cette ampleur, le caractère authentique de ce mouvement ne fait pas de doute. S'il y avait des services capables de mettre en mouvement des millions de personnes, chapeau, on n'a plus qu'à rentrer à la maison et se laisser manipuler. Maintenant qu'il y ait eu des réfléchis, bien entendu, les services ils sont payés pour ça.
Et il n'y en a pas qu'un. Il y a différents services qui interviennent dans le mouvement. Certains disent que ce serait le DRS qui aurait fixé le 22 et pourquoi pas. Si ce n'est pas le DRS, c'est les services de Qatari avec le Maralébia ou autre et tout qui auraient lancé le 22. C'est secondaire, le 22, ça aurait pu être le 21 ou le 23. Ce n'est pas ça le plus important. Le plus important, c'était la disponibilité de centaines de milliers de jeunes à aller crier « Djiboul Béri, Djiboul Sa'iqa, on est là, on veut le changement, etc. » Bien. Alors, après ce mouvement mars-avril, hein, pour ceux qui ont vécu le mouvement populaire de 2001, un mouvement populaire, ça ne dure pas des années. Les gens, ils ont des problèmes, ils doivent manger, ils doivent finir de construire leur maison, ils doivent finir... leur vie, quoi. Et donc, au bout de quelques mois, ça change. On croit toujours que c'est le même mouvement, mais en fait, ça ne concerne pas tout le monde, ce n'est plus la même chose. Donc, à partir de Ramadan, et précisément le vendredi avant Ramadan, ça a commencé à baisser. Les jeunes se sont retirés. Les jeunes et les milieux populaires, les gens, les classes populaires, se sont retirés. Et on a vu des gens bien, des gens de couches plus aisées, des profession libérale, élite intellectuelle, et commerçants, etc. Et c'est eux qui ont défilé Ramadan, juin, juillet, août, septembre. Et à la rentrée, il y a un retour des masses populaires, un retour des classes populaires, un retour partiel. Parce qu'on peut dire, numériquement, c'est 50 fois moins nombreux. Pas forcément à Béjaïa, c'est moins nombreux à Béjaïa. Pas forcément 50 fois moins à Béjaïa ou à Tizi Ouzou, mais à Alger, à Oran, à Tiaret, à Constantine et tout, 50 fois moins nombreux, et je suis généreux. Les slogans politiques à ce moment-là sont devenus plus visibles. Au début, quand on était des centaines de milliers dans la rue, à Alger déjà, et puis ailleurs, d'autres centaines de milliers, des millions au total, à cette époque-là, il n'y avait pas la transition. C'est pas vrai. Il y avait quelques gugus qui se trimbalaient avec la photo de Bidour, Zerouel, si vous vous rappelez, mais il n'y avait pas le mot d'ordre, la transition, etc. Il n'y avait pas, ça n'apparaissait pas, ça existait, il y avait un petit groupe qui pouvait dire la constituante, mais ça n'existait pas à l'échelle de la jeunesse. Qui existait, c'est Khalidoul Blad, Yasserat. Ce qui existait, c'est Makash Khamsa et Moutfliqa, des choses de ce genre. Ces slogans sont devenus plus visibles, mais ce qui ne veut pas dire que ces slogans sont partagés par tous ceux qui manifestent. Mais on peut dire que même les milieux populaires revenus en octobre, etc., se préoccupent plus de ces slogans-là. Alors, la composition sociale, je l'ai dit, elle est différente. Le nombre, c'est 50 fois moins. Le contenu, alors là, c'est la nuit et le jour. Rappelez-vous, quand on a commencé le mouvement populaire, on disait « Macron, Trump, ne vous mêlez pas de nos affaires ». C'est une affaire de famille. Mettre d'chloche. Oulah al-Jazair ma'ish Souria. On disait, Macron, arrête de piller l'Afrique. Arrête de prendre du gaz gratuitement. Comme je le disais dans une vidéo, je ne sais pas si c'est vrai qu'il prend du gaz gratuitement. Mais c'est une démarche anti-impérialiste qui tranche avec le discours dominant qu'il y avait dans les grands quotidiens, etc., qui était un discours, on va dire, néo-pied noir. Discours néocolonial. Celui, la grande vedette, c'est Kamel Daoud, mais il y en a d'autres. Hein. C'est le discours, voilà, nous on est des bouilloules, des barbares, on viole les femmes, on n'est pas bien, mais par contre, eux, c'est des civilisés, ils sont bien, etc. Si vous vous rappelez, c'était ça le discours dominant. Ben là, ça a changé, c'est arrêter de nous piller, arrêter. C'est quelque chose que je n'avais pas vu depuis les années 60-70. Je veux dire, ça avait disparu progressivement de la conscience collective. Et puis, c'est tous ces jours-ci, après le changement de l'été, on a vu des personnalités, des militants sortis du placard. Ils étaient
les toiles d'araignée sur leurs vêtements, mazalom et balon, et ils sont là en train de dire il faut l'intervention de l'ONU, il faut l'intervention de Macron, et vous voulez que Macron intervienne parce qu'on nous réprime. Mais Macron est le dernier manifestant. Vous voulez quoi? Qu'il envoie des LBP, hein, donc les lanceurs de ballpoint, hein, donc c'est pour que Gaïd Salah maîtrise démocratiquement le mouvement algérien. C'est quoi cette histoire? Et puis l'ONU, qu'est-ce qu'elle a fait en Syrie? Qu'est-ce qu'elle a fait en Libye? Qu'est-ce qu'elle a fait au Yémen? Qu'est-ce qu'elle a fait devant tous les génocides qui se déroulent? Qu'est-ce qu'elle fait en Palestine, l'ONU? Et l'Union européenne, qu'est-ce qu'elle fait? Rahmit Baka, elle est les Kurdes dans ce moment. Mais lorsqu'ils ont détruit la Syrie, lorsqu'ils ont financé des groupes djihadistes, tout en nous accusant d'être Kamel Daoud, l'islam ou je ne sais pas quoi, etc. Et vraiment, ils financent les djihadistes, ils leur donnent des armes. Et comme disait Fabius, Nosra fait du bon travail. Eh bien, à cette époque-là, on ne pouvait pas faire confiance à l'ONU, on ne peut toujours pas faire confiance à l'ONU. Lorsque la fameuse députée, là, dite de gauche, puisque maintenant la gauche, ça va jusqu'à François Hollande, l'impérialiste, hein, donc la gauche, c'est relatif, la gauche. On est toujours à gauche de quelque chose et à droite d'autre chose. Donc, ça ne veut rien dire. Donc lorsque cette députée passe en Algérie et qu'elle dit « Voilà, on va demander à Macron et à l'Union européenne de sortir de leur silence. Si on devait répondre comme en mars et en avril, on va leur dire « Ne vous mêlez pas de nos affaires, c'est une affaire de famille. » Mais si on raisonne comme la nouvelle élite là, qui a les khalqats, eh bien on va dire « Voilà, très bien, il faut que ces gens-là interviennent pour rétablir l'ordre. » démocratique. L'autre point où vous pouvez voir la différence entre le peuple et les classes populaires pardon, et les élites qui se sont exprimées beaucoup cet été, c'est la question de la justice, des arrestations, etc. Juste après l'arrestation de Rwab, un grand honnête homme, comme vous savez, juste après son arrestation, il y a eu tentative de manifestation qui a échoué. Il y a eu le fameux slogan « Abat la justice du téléphone ». Il faut l'état de droit. Avant d'arrêter des gens, il faut que la justice soit indépendante. Tant qu'on n'a pas l'état de droit, il ne faut pas les arrêter. On a même entendu Bouchachi Abouira dire « Voilà, il has bougernon, le mari khlas, à l'avenir, l'Israq, oui, mais le mari, bon, c'est bon, etc. » Et que disaient les gens? Les gens, ils réagissaient autrement. La liesse populaire qu'il y avait au moment de l'arrestation de Ouyahia, eh bien, elle s'est reproduite à des tas d'occasions. Et les gens, ils ne disaient pas la justice du téléphone. Ils disaient « Outli ba oukta »« Ou hadak »« Ou djum'i hadak » C'est comme ça que les gens s'exprimaient. C'est une justice injuste, comme toutes les justices bourgeoises, d'ailleurs, hein, vous savez. Mais elle est plus injuste, moins injuste, quelle importance. Mais nous, on veut bien que les voleurs soient en prison, il n'y a pas de problème. Surtout les grands voleurs, dont le montant de l'arsen est supérieur au trou de la caisse des retraites. Donc il y a une différence d'appréciation, une différence de ressenti. Gaïd propose les élections. Alors, sa démarche au début, c'est « je ne fais pas un coup d'État, parce que si je fais un coup d'État, je suis en difficulté, je vais avoir... » Et pourtant, les démocrates lui demandaient de faire un coup d'État. Rappelez-vous, les démocrates, l'un après l'autre, ils sont intervenus pour dire « l'armée, elle doit intervenir, enlever le bout de Bouteflika et tout. » Rappelez-vous ce que je leur disais. Rappelez-vous, c'est enregistré, c'est dans les vidéos, et ben voilà, nous en sommes là. Gaïd, je ne fais pas de coup d'État pour éviter une pression de l'impérialisme, pour éviter que l'impérialisme prenne prétexte de ça, mais je ne sais pas pour obtenir la loi sur les hydrocarbures, mais pour contrôler de manière encore plus intime le pouvoir politique. Le problème, c'est respecte-t-il la Constitution? Ben non.
l'article 55, par exemple, lui interdit de nous empêcher d'aller à Alger le vendredi ou d'aller ailleurs. Hein. Bon. Or là, il viole la Constitution tous les vendredis en bloquant Alger. Il viole l'article 28 tous les jours, et notamment tous les mardis, en prenant la parole sur des questions politiques. L'article 28 qui définit les missions et attributions de l'armée, il n'est pas question qu'il donne des instructions à Ben Salah ou à la justice. Ce n'est pas prévu, ce n'est pas écrit dans la Constitution. Donc, le respect de la Constitution, c'est juste... Donc, c'est devenu moins qu'un habillage. En fait, nous, qu'est-ce qu'on reproche à ces élections? On reproche à ces élections qu'elles sont déloyales. Elles sont déloyales. Puisque... il n'y a pas de liberté de faire des conférences à Mostaganem ou à Tiaret. Il n'y a pas de liberté de s'exprimer librement et d'exprimer une opinion. On se fait arrêter même sans l'exprimer, simplement parce que peut-être on en exprimerait une. Il n'y a pas de liberté de créer des partis, des associations, etc., sans agrément, etc., etc. Donc, comment dire qu'on consulte le peuple librement? Le peuple n'est pas libre. Deuxièmement, au niveau de l'information, jamais, depuis les 88, jamais les médias n'ont été aussi contrôlés. Les chaînes publiques et privées servent à la propagande. Il y a la chaîne 3 qui sauve l'honneur un petit peu. Bon, le cas de Mara Leglia mérite qu'on s'y attarde. On a eu déjà ça dans le passé. On a eu Jazeera qui, pour reprendre une formule d'un livre sur le monde, qui disait la vérité pendant un certain temps pour pouvoir mentir utilement lorsque ça a été nécessaire, lorsqu'il a fallu faire croire qu'il y avait une révolution populaire en Libye et couvrir le crime de l'OTAN qui a détruit la Libye. Et bien, Jazeera, c'est la même chose. Je veux dire, avec l'argent du même Qatar qui a financé Jazeera, avec le fils d'Abbasi Madani et tout, que voulez-vous qu'on ait? Aujourd'hui, ils montrent Chouish, regarde, parce que ça va dans leur sens, mais on ne peut pas leur faire confiance, ce sont des gens. Mais d'un autre côté, on n'a pas la liberté de s'exprimer librement par ailleurs, et donc, il n'y a pas de vote libre. Il n'y a pas d'élection loyale dans ces cas-là. La fraude. La commission indépendante a été désignée par le pouvoir. Où est l'indépendance de cette commission? Chargé, expert de la justice, soutien des mandats de Bouteflika. C'est lui le président. Qui l'a désigné? Bon, comment voulez-vous qu'on dise que la commission est indépendante? Deuxièmement, elle ne serait pas plus indépendante si on désignait Bouchachi. Chercher Mandra, il a une couleur. Je dirigerai la commission indépendante. Elle ne serait pas plus indépendante. Je ne sais pas si vous voyez. Je ne suis pas incolore. J'ai une opinion dans la vie, etc., etc. Donc, de la même manière, la fraude, c'est par exemple les signatures. J'ai appris que Zerdod a pris rendez-vous pour déposer son dossier. Il avait comment pour rassembler 50 000 signatures? Est-ce que quelqu'un a vu quelqu'un qui a vu quelqu'un signer un formulaire pour un candidat à la présidence? Non. Bien sûr, pas à Ocas, mais pas à Al-Bayad et pas à Mskara, c'est pas vrai, ça n'existe pas. Donc, nous ne faisons pas confiance à ces élections, et en fait, la seule garantie que des élections soient contrôlées, c'est le contrôle populaire. Lorsque le fils était hégémonique dans les quartiers libres et qu'il y avait un envahissement des bureaux de vote, ils ont même triché. Ils ont triché contre le pouvoir qui comptait tricher. Bon. Lorsque, en Kabylie, il y avait l'affrontement entre l'appareil du FFS et l'appareil du RCD, il y avait un contrôle, il y avait des tas de gens qui étaient là et qui comptaient les voix
et qui se disputaient, etc., etc. Bon, alors ça fait des résultats contrôlés. Mais lorsqu'on est dans une situation où tu n'as pas le droit de bouger, tu n'as pas le droit de parler, je veux dire, sans le contrôle populaire, il n'y a aucune garantie par rapport à la loyauté des élections, sans compter que les élections sont déloyales par l'absence des libertés préalables que j'avais demandé dès le début. Rappelez-vous, dans les vidéos, ça fait longtemps que nous, notre courant, nous disons qu'il y a d'abord ce problème. Alors, pourquoi fait-il ça? Pourquoi continue-t-il? Eh bien, l'entrevue Poutine-Ben Salah nous confirme ce que je dis dans certaines conférences et tout. Pour Gaid Salah, Gaid Salah a vu la différence entre avril et août. Il a vu cette différence. Il se dit finalement, les Algériens sont 43 millions. Il espère gagner la majorité silencieuse, comme on dit d'habitude, comme disent les pouvoirs d'habitude quand ils veulent parler des gens qui ne bougent pas. Et si vous interrogez vraiment, même en cabinet, les gens dans les villages, dans les quartiers, etc., vous verrez qu'un certain nombre de gens se disent, écoute, on vote, ou comme ça, on mate, ou on sort de l'inconnu, etc. Ça existe. C'est quelque chose qui existe. L'hisab de Gaid Salah, le calcul de Gaid Salah et de Ben Salah, donc Ben Salah nous confirme que c'est ça le calcul, ils se disent, voilà, ils sont petits. Et pour nous rendre encore plus petits, ceux qui manifestent, eh bien, ils ont inventé l'opération drapeau à mesure, l'opération envahissement de la capitale, toute une série d'opérations qui sont destinées à diminuer le mouvement. Alors, par exemple, lorsqu'ils ont interdit le drapeau à mesure, on a eu des commentaires d'une idiotie sans limite, hein, qui disait ouais, les Bédouins qui boivent de la peste de chamelle, ils veulent nous interdire, et les Arabes islamiques et tout. Donc, ils ont aidé Gaid Salah à diviser entre la région qu'ils voulaient isoler parce qu'elle se mobilisait différemment, et le reste des régions. C'est des choses qui blessent, et cette blessure reste, et ça fait des différences de comportement à travers le pays par rapport à certaines questions politiques. Donc, il a essayé de nous affaiblir, de nous diviser de différentes manières. En arrêtant des gens, un peu n'importe comment, en interdisant telle rue, telle autre, etc., le calcul est différent. Le calcul consiste à Yisra'a Mabinatna, un sentiment d'impuissance. Il s'agit de développer au niveau des gens, des manifestants, un sentiment d'impuissance. Imaginez le moment où le bled, bled, non, dirolaina. Et le moment où il dit, et on dit, oui, les arêtes, ils sont pas bien, ils sont méchants et tout, et on passe notre chemin. On a développé, une certitude, c'est celle qu'on n'est pas capable d'empêcher ces arrestations, et donc on est plus du gibier que des acteurs. En général, on change de rue parce qu'on n'a pas décidé la guerre et qu'il faudrait, pour affronter le Béli ou Saïka, il faudrait autre chose que Sélmia qui correspond à un certain type de lutte. Bien. En face, donc, il y a des propositions qui sont faites. La proposition, par exemple, de la transition. Alors, évidemment, je dis, c'est quelque chose qui est devenu très important cet été dans les manifestants, même si ce n'est pas crié par tout le monde, ce n'est pas dans les slogans, mais disons, c'est plus sensible et c'est partagé par beaucoup de monde. Et ce qui est curieux, c'est que les modernistes et les conservateurs, hein, les islamistes et les anti-islamistes virulents et radicateurs sont d'accord. Il faut une transition avec Bad Shirsiyat. Pour reprendre la formule consacrée. C'est d'une absurdité antidémocratique évidente. Bon, d'abord, le mot transition. Vous regardez dans le dictionnaire, la transition, c'est le passage d'un État à un autre. Donc, depuis le départ de Bouteflika, on est dans une transition vers une autre situation.
Mais ce qu'ils appellent la transition, c'est un mot de code, tu crois, en quelque sorte, c'est ce système où on annule toutes les institutions de l'État actuel, l'État algérien actuel, l'État bourgeois algérien, et on met en place un pouvoir provisoire composé de personnes dites représentatives du PERAC. Je me rappelle d'une vidéo où on voyait je crois qu'il a été arrêté depuis avec le barbu qui était toujours... Badi, je crois, c'est ça. Barbu, oui. Il était là très agressif, les gens lui disaient « Oushkoun ikhiyaloum ?» Galom, et ben la majorité, Oulfren, ils sont obligés d'obéir. Comment on définit la majorité dans une foule? Comment on choisit des gens? En votant. Si on ne met pas en place les mécanismes pour choisir, pour voter, alors après, il peut y avoir plusieurs méthodes, et ben, c'est arbitraire. Shkouni khiyaloum. Quand ces gens-là qui sont promis à être les représentants du RL, Wahed ba'd wahed, ils ont déclaré, c'est pas le moment de s'organiser. Rappelez-vous, ils ont dit non, s'organiser, non, c'est pas le moment, faut pas s'organiser. Et bien sûr, on s'organise pas parce que c'est lui qui c'est lui qui les a choisis en réalité, c'est les médias. Pour commencer le Maghrebia et ensuite le Chourouk Bilad au début, avant leur tournant. Ces gens-là, ils ont le soutien des modernistes et des conservateurs. Modernistes, éradicateurs, conservateurs, réconciliateurs, tous ces gens-là sont d'accord. Ceux qui sont financés par les ambassades occidentales, ces associations, ces ONG indépendantes, etc. Et ceux qui sont financés par Qatar et les monarchies, donc comme Malaribia, Rachad et tout ça, ces gens-là sont d'accord. Ils sont d'accord sur quoi? En fait, sur le programme du printemps arabe, le programme de l'OTAN, celui qui consiste à faire cesser la continuité de l'État bourgeois, pour moi, mais de l'État issu du mouvement de libération nationale. Vous savez, il y a une spécificité chez l'État du voleur Bouteflika, c'est qu'il n'a pas appuyé la destruction de la Libye. Il n'a pas rompu les relations diplomatiques avec la Syrie, il a refusé d'envoyer des soldats au Mali, etc. Il a refusé de mettre une caserne, même si il a donné des facilités, etc. Donc, il s'agit de faire cesser ça. On veut une néocolonie normale, comme le Sénégal, la Côte d'Ivoire, le Maroc, etc. Et l'Algérie, ce n'est pas rien, en dehors des ressources minières, l'eau, l'énergie solaire, etc. L'Algérie, c'est une profondeur stratégique de plus de 2000 km qui irrigue tout le nord de l'Afrique. Et vous savez, l'Afrique, c'est un continent de plein d'avenir parce que, figurez-vous, en surface, ça représente beaucoup de monde. Et en population, ça représente 1,5 milliard, bientôt plus. Donc, il s'agit d'arrêter ça. Vous savez, quand ils ont fait le printemps arabe, la chose qui avait attiré mon attention, là où forte, je me suis aperçu qu'on était en train de mourir en bateau, c'est qu'ils attaquaient la Libye, la Syrie, l'Irak, le Yémen et l'Algérie. Ils comptaient la CNCD, etc. Ils comptaient changer le régime aussi en Algérie. Comme par hasard, ils ne changent pas le Koweït, le Qatar, tous ces pays où il n'y a jamais eu de vote, jamais eu d'élection, donc pas de problème. Il n'y a pas besoin de faire la démocratie. Au contraire, c'est eux qui financent les militants pour la démocratie dans les pays où il y a des votes, où il y a des manifestations, des grèves, etc. etc. Et le problème, c'est que ces pays-là, c'est Féoukt, les années 70, ça s'appelait Djibout Soumoud ou Tassadé. C'est les pays qui s'étaient unis pour résister contre Israël à l'époque. Donc on les a détruits blabla. Il s'agissait, dans la logique du printemps arabe, de détruire les restes des régimes issus du nationalisme. Même si le nationalisme de Bouteflika, l'aïno, il en restait très très peu, mais disons... il en restait un peu plus que les larbins de l'OTAN, comme Sénégal, Côte d'Ivoire, Maroc, que je viens de citer. Alors,
Alors, on peut aussi aborder la question autrement. Cette transition, je vais y dire. On dit la transition. Par exemple, si on me disait, voilà, Flan et Flan vont contrôler les élections. Pourquoi pas? On peut voir. Je suis pour le contrôle populaire. Pourquoi pas? Mais non. La transition, son programme est décrit dans un certain nombre de textes. Il y a dit qu'il s'agit, un, de changer les institutions, parce que nous, quand nous votons à le président, nous votons à la centrale. Vous êtes bien d'accord là-dessus? Il y a toutes les attributions là, du président et tout. Et donc, il faut changer la constitution avant de voter. Et qui c'est qui va changer? Des gens qu'on n'a pas élus. C'est eux qui vont changer la constitution. Et ensuite, on nous dit qu'il s'agit de supprimer l'économie rentière, de résoudre le problème, sortir de l'économie rentière. Donc, des gens qu'on n'a pas élus vont changer l'organisation de l'État et vont changer l'économie d'Algérie. Et après, on vote. Mais pourquoi voter après? Des gens qu'on n'a pas élus, pourquoi voter? À l'époque où Bouteflika a construit sa constitution monarchique, les textes existent. À cette époque-là, 100% de ceux qui étaient contre dénonçaient le nombre de mandats. On nous disait, oui, au Bouteflika, au troisième mandat, c'est pas démocratique, ou truc et tout. Mais elle a fait 3 mandats, elle a renoncé au 4e parce qu'elle avait peur de se faire battre. C'est tout. Netanyahu, c'est son 6e ou 7e. Evo Morales va être élu pour son 4e ou son 5e. Où est le problème? C'est pas le nombre de mandats qui définit. Le peuple choisit qui il veut. Par contre, ce qu'a fait à l'époque Bouteflika, il a supprimé tous les pouvoirs de l'Assemblée nationale. Il a supprimé tous les pouvoirs du chef du gouvernement, c'est devenu le roi. Et qui l'a écrit à l'époque? Je l'ai écrit à l'époque pour le compte de mes camarades et de mon parti. Et je leur disais, le nombre de mandats, c'est à moins de faire dans le mimétisme par rapport aux Américains, le nombre de mandats n'a pas d'importance. Vous savez, en Amérique, c'est la banque, comment elle s'appelle? J'ai oublié son nom, qui commande. Ce sont les grandes banques qui commandent. Et on peut mettre un président démocrate ou républicain, de toute façon, je l'ai dit dans une vidéo, les grands fonctionnaires viennent toujours de la même banque. Vous savez de quoi je parle. C'était la troisième vidéo où je parle de la nature du régime algérien. En conclusion, je compare avec les Américains. Et j'ai oublié le nom de la banque, sinon je le dirais. Bien. Donc, à l'époque, Makanouche Goulou, le nombre de mandats, parce que ça faisait bien, ça faisait, voilà, les Bounous, ils ont beaucoup de mandats, et les démocrates, ils n'ont pas beaucoup de mandats, c'est pas ça. Le problème, c'est qui a le pouvoir. Réellement, la démocratie, c'est le pouvoir du peuple. Donc, d'autres disent la constituante. Au début, la constituante, c'était des gens qui étaient d'accord avec nous. C'était des gens qui disaient « Yajmaha, c'est pas normal de désigner quelqu'un pas élu change les choses, il faut élire une assemblée constituante. » On va être ferme, ça s'appelle la transition, ça s'appelle processus constituant, on commence par une transition, on change tout, après on fait une constituante, je sais plus pourquoi, etc. Bon, alors d'abord, on leur a répondu, mais vous savez, la constituante, c'est une élection. Il y a le même problème que pour le président. C'est une élection. Si on ne résout pas le problème d'une élection démocratique, que tu élises un président ou 400 députés ou 200, c'est pareil. Il y a le problème de l'élection. Et le problème de l'élection se résout par les conditions démocratiques, liberté, etc., etc., et le contrôle populaire qui accompagne tout le processus, bien sûr. Il faut que j'aille vite pour respecter un petit peu les règles du jeu des camarades. Alors, le problème, les gens qui disent constituant, ça vient d'une sorte de salafisme. Nous avons le salafisme des islamistes, on connaît, hein, c'est-à-dire qu'il y a Abou Bakr Siddiq, ou les anciens, donc il y a c'est bon,
etc. Puis selon les jours, c'est un jour il coule, il fait sombre, un autre jour il dira il fait clair. Et selon les conditions, on citera la bonne citation. Mais ça, c'est la pensée, c'est la fiction. Ce n'est pas spécialement islamique ni algérien. Ça a existé en Europe longtemps comme façon de penser. Il y a eu longtemps, pendant un siècle, peut-être une bagarre, qu'on appelait la querelle entre les anciens et les modernes. Ceux qui disaient « Sahab Bikri Andoumia »« Oumane les Afou »« Oumane les Goulgulala »« Anan Afou Khemen »« Oumane un Dalm »« Oumane les Routajeri » Vous voyez la façon de raisonner. Et bien donc il y a aussi, il y a des gens, ils sont pour la constituante, parce qu'en 1963, il y a une constituante ratée au Bata, d'Aroua, congrès du FLN, ou dans une salle de cinéma, je crois pas, dans une salle de cinéma. Bon, ils ont mis une ligne politique et ils ont. Et donc il faut venger la constituante. C'est pas comme ça qu'on raisonne. Pourquoi on fait une constituante? Discutons-en. Il y en a d'autres, c'est parce que Trotsky l'a dit un jour. Trotsky, c'est un bravo homme. Hein. J'ai beaucoup étudié Trotsky dans ma jeunesse et je trouve que c'est un penseur fantastique. C'est pas ça le problème. Le problème, pourquoi Trotsky a dit ça? Parce que c'était l'une des leçons qu'il retenait du processus de la révolution. C'est donc quand il a construit une nouvelle internationale, il l'a mis dans le programme, la constituante, etc. Oui, mais est-ce que vous connaissez des gens dont le projet pour l'humanité, c'est la constituante? Non. Les gens, ils sont socialistes, par exemple, ils sont libéraux, capitalistes, ils ne sont pas constituantistes, ça ne veut rien dire. La constituante, c'est un moyen, comme la grève générale, ou la manifestation, ou faire un journal, c'est un moyen, ce n'est pas un but en soi. Et ce moyen-là, on l'utilise, alors, quand il y a eu les événements de 88, j'ai fait une déclaration pour mon parti où je disais « il faut la constituante ». Oui, mais en 90, on a eu une hégémonie du fils sur la population. Et donc, la question qui se pose, c'est « il y a le fils qui contrôle la population, est-ce que je vais continuer à dire « Yajma, on vote ». On vote, le fils va gagner. Donc, mon objectif à moi en ce moment, c'est pas que je suis contre le vote, mais mon objectif, c'est d'essayer de lutter pour changer le peuple, pour que le peuple pense autrement, pour me bagarrer, pour reconquérir le peuple. C'est ça mon objectif. Mon objectif, c'est pas de dire on arrête tout, on vote. Non, on n'arrête pas tout, au contraire. On prépare un bon vote un jour. Même si par hasard on fait une constituante, eh ben nous on en proposera une autre quand on sera prêt, quand la société, on estimera que la bataille aura avancé, etc. Vous voyez la chose. Eh bien donc, ce n'est pas parce que j'ai écrit ça en 88 que c'est... D'ailleurs, en 88, j'ai écrit ça d'une manière. Et puis, en 98, quand Zavoil a démissionné, j'ai écrit ça autrement. Parce qu'entre-temps, il y avait eu la victoire des islamistes et qu'il fallait... la constituante, je mettais des conditions pour l'accepter. Et aujourd'hui, est-ce que c'est vraiment le but de faire la constituante? Est-ce que c'est ça qui va nous résoudre nos problèmes? Non. Si on fait une constituante, Bachigoulou, Mararibia, Kranacha, ou là, on fait une constituante, Bachicha, Bévoté, je ne sais pas moi, tous les trucs qui circulent dans la population, c'est pas comme ça. Notre objectif, nous qui sommes socialistes, ça doit être nous battre pour amener. Si on faisait par exemple une constituante maintenant, on risque d'interdire la mazine, par exemple, parce que monsieur l'Ordre, c'est possible. Donc à la rigueur, on va dire une constituante à condition de respecter un certain nombre d'acquis de la lutte. Parce que c'est par la lutte qu'on a obtenu la mazette, c'est pas un cadeau de Bouteflika ou de Zerouane, etc. Donc on dit, on respecte le droit des femmes. Pourtant, les femmes ne sont pas respectées dans nos sociétés, même à Ocas. Mais on exige que ce principe-là soit respecté, etc. Il y a une autre arnaque. C'est l'arnaque. La démocratie. Quand les gens vous disent Yajmaat, c'est quoi le projet de ceux qui parlent, hein, ceux qui sont sur Ouadan, Maghreb émergent, et même sur le Maghreb, c'est lui qui faut. Combien de démocratie, on va d'un coup, on va dire, 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 on
hein, comme disait l'autre, ce mouvement est magnifique. Personne ne parle de ses intérêts, sauf les milliardaires. Mais personne ne parle de ses intérêts. Eh bien, ce n'est pas comme ça que ça se passe. La démocratie qu'on nous vend pour le peuple, pour les masses populaires, pour les jeunes, on leur fait croire que la démocratie va les ramener à la situation de la Suède ou du Danemark, grosso modo. Hein. On confond le concept de démocratie et le concept de prospérité. Par exemple, nos sociétés patriarcales, nos tribus, la tribu de mes grands-parents et celle de vos grands-parents. Bon, c'était patriarcale, il y avait une démocratie, il y avait des représentants des familles qui se réunissaient, Zeshmat, etc. Ils avaient beaucoup d'autorité et tout le monde respectait ça, on est d'accord. Est-ce que les gens mangeaient bien? Est-ce que les gens vivaient bien? Est-ce que leur maison était confortable? Est-ce qu'ils étaient bien chauffés? Non, moi je me rappelle, mon père me racontait son enfance, c'était Kenou Nassim Lafloma, mais enfin le village, mais Kenou Khomsbloubson, c'est à peu près ça, le plus souvent. Tam tous les jours, c'est pas sûr, Xa par contre, oui, mais pas beaucoup. C'est demandez. Il y a encore des vieux qui sont vivants qui peuvent vous raconter ça, demandez. Et pourtant, il y avait une organisation démocratique du village. Donc la démocratie, haja. Démocratie, ça veut dire quoi? Ça veut dire le pouvoir du peuple. Ça vient du grec. Démocratie, le pouvoir du peuple. Hein? Ça s'est installé à Athènes, par exemple. Ce parc-là, ça a commencé, ce genre de système. Mais le mot démocratie vient du grec. Quand il y avait la démocratie à Athènes, est-ce que le peuple avait le pouvoir? Non. Ceux qui avaient le pouvoir, c'était les gens de Thèbes, si vous voulez. Mais les esclaves, qui étaient beaucoup plus nombreux, n'avaient pas droit à la parole. Donc, c'était une minorité qui s'attribuait le nom de peuple. Mais le peuple, la majorité du peuple, c'était des esclaves qui n'avaient pas droit à la parole. Vous voyez un petit peu le fonctionnement. Donc, la démocratie bourgeoise qui vient plus tard, après la révolution contre les seigneurs, etc., elle reprend le mythe de la démocratie grecque, tout ça. Donc cette démocratie, au début, qui c'est qui vote? Ceux qui votent, ce sont ceux qui payent beaucoup d'impôts. Ça s'appelait la démocratie censitaire. Il a fallu combien de grèves des travailleurs, combien de luttes, combien de sang pour que les pauvres puissent voter. Le principe one man, one vote. Et il a fallu encore d'autres luttes longtemps pour que les femmes puissent voter. On se moquait d'elles, on les accusait de mauvaises mœurs, tout ce qu'on veut et tout. Et là, ça s'appelait les suffragettes. Et elles ont obtenu gain de cause. Mais combien de temps après? Bon. Alors la démocratie, du point de vue des socialistes, on disait la démocratie. En fait, c'est la dictature de la bourgeoisie. Et donc nous, qu'est-ce qu'on propose? Nous, on propose la démocratie ouvrière. Et la démocratie ouvrière, eh ben, ça va être, si vous voulez, la dictature des pauvres du pays. Et bon, c'est ce qu'on avait appelé la dictature du prolétariat à l'époque, dans une polémique. Bon, mais cette dictature-là, elle est, comme disait un vieux barbichu de ma connaissance, elle est un million de fois plus démocratique que n'importe laquelle des démocraties bourgeoises. Ça nous ferait une belle chance d'élire librement, hein, le politica qui va aider les milliardaires à nous voler, hein, alors que tous les journaux ne parlent pas notre langue, que tous les médias nous ignorent et ignorent nos revendications. Donc on exige une démocratie plus totale, une démocratie de la répartition des richesses du pays. Il y a des tas de mots en jonglant avec le mot démocratie. Mais surtout, si on a une organisation démocratique de l'Algérie, hein, ce qui est peu probable, la démocratie bourgeoise, elle a ses règles, et j'y reviens, eh bien, on ne sera pas comme la Suède. Là, comme disait quelqu'un de ma connaissance,
il faut trouver un pays à coloniser. Il faut trouver quelques bledans, Stavron, on se colombe le verbe qui m'a malé, ou l'uranium qui m'a Niger, ou là, etc. Ou bien, quand on ramassera suffisamment de richesses et tout, on sera comme. Et, je plaisante, bien entendu. En réalité, la démocratie bourgeoise en Europe a pris ce visage sympathique hein, après un siècle et demi de lutte des travailleurs. Et la bourgeoisie européenne, les bourgeoisies européennes, ont concédé les libertés à Paris, à Londres, à Rome et à Madrid. Elles ont concédé les libertés lorsque elles se sont partagées l'Afrique et le monde. Lorsqu'après le congrès de Berlin en 1885, alors avec les surprofits coloniaux, avec les grandes richesses qu'ils volaient aux peuples colonisés, ils se sont dit, il vaut mieux laisser des miettes à l'aristocratie ouvrière, à quelques élites ici, comme ça on a la paix à Paris, on a une situation de paix. Mais depuis les années 80, le capital mène une offensive contre les acquis sociaux des travailleurs. Vous le savez, il y a Warren Buffett, je crois, c'est un grand capitaliste qui disait, il y a une lutte des classes. Et c'est ma classe qui l'amène et qui est en train de la gagner. Vous avez vu cette citation quelque part certainement. Ils sont en train de nous enlever les droits qu'on a obtenus de dures luttes pendant un siècle et demi. Bon, ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui, je ne vais pas développer. Et c'est pour ça que Macron arrache les yeux des manifestants. C'est pour ça que Macron a arrêté deux fois, trois fois plus de bruit que Gaetz Alain. C'est pour ça qu'ils ont emmené devant les tribunaux 10 fois plus de monde que Gaetz Alain. C'est parce qu'ils sont dans une phase où ils veulent faire taire les pauvres gens. Qui dit oui, allez au chien, mais relouchez à d'autres librement. Regardez l'Espagne. Vous avez vu comment on les malmène, les pauvres Espagnols? Qu'est-ce qu'ils ont? Ils ont le drapeau catalan, c'est tout. Hein, à la Macal. Eh bien, on les a. On les malmène, on les brutalise de manière incroyable. Voilà l'Union européenne, la démocratie, l'ONU. Voilà. Vous voyez, donc, en réalité, dans un pays dominé par l'impérialisme, un pays où le développement des forces productives est faible, c'est difficile de réaliser la démocratie de manière stable, etc. C'est difficile. C'est-à-dire qu'il faudrait un ordre, disons, de boost à Zawaliyam, de boost à bourgeoisie. Quand vous regardez les pays qu'on cite en modèle, la Corée du Sud, c'est une dictature féroce pendant longtemps, soutenue par les Américains, c'est pour ça qu'elle a pu percer. La Chine, c'est une dictature dure, vous êtes bien d'accord. Singapour, c'est une dictature. Donc les pays qu'on cite comme modèle, voilà, les pays émergents et tout, ils émergent comment? De pause. Et vous savez, la corruption en Corée du Sud, c'est exactement ce que faisaient Ouyahia et Bouteflika avec Rabrab Toufir, enfin Rabrab Haddad, Dahkout, etc. Ça a commencé avant Bouteflika pour Rabrab. Mais je veux dire, c'est exactement ça. C'est-à-dire, on enrichit un certain nombre de gens. Bon. Samsung, LG, etc., etc., c'est des familles, on appelle ça des shareholders, et on leur donne des terres, on leur donne des prêts, on leur donne, ils ne remboursent pas, etc. Il y a de la corruption, mais on éteint le feu, etc., etc. Évidemment, après, ça fait des grands groupes, mais ça faisait des grands groupes parce que les ouvriers coréens étaient très, 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 très mal payés. Quand les ouvriers coréens ont fait des grèves et qu'ils ont obtenu une amélioration de leur salaire, qu'est-ce qu'ils ont fait? Hyundai a déménagé ses usines en Chine, en partie, parce que les ouvriers étaient plus écrasés, etc. C'est par exemple, il y a un des modèles chinois, un des modèles de Hyundai, qui est fabriqué à Shanghai. Bon, j'essaie d'aller à ma conclusion, parce qu'il faut que je finisse. Donc, qu'est-ce qu'on doit faire? C'est-à-dire, la démocratie qu'on nous promet, c'est des trucs formels.
rappelez-vous le moment où on nous disait l'ouverture médiatique. Ah, l'ouverture à l'audiovisuel. Vous vous rappelez? Tous les journaux nous disaient ça. Allons attendre notre rapport, l'ouverture à l'audiovisuel. Et puis, on a eu l'ouverture à l'audiovisuel. El-Bilad, Chorou, etc. Horreur. C'était pire qu'avant. Donc, pourquoi? Parce qu'il n'y a que des milliardaires qui peuvent ouvrir une chaîne de télévision. Les gens ne peuvent pas ouvrir une chaîne de télévision. Eh bien, les milliardaires, ils ont des intérêts odieux et ils les font marcher par l'achat de télévision. Ce n'est pas spécial à l'Algérie. Hein. Les chaînes de télévision en France, en Angleterre, en Amérique, appartiennent à une dizaine de personnes. Et parfois, c'est les mêmes à travers tous les pays qui possèdent. C'est comme Nesma qui appartenait à Destro, avec Kavoui et à Berlusconi. C'était une association entre un escroc italien et un escroc tunisien. Bien. Donc, qu'est-ce qu'on doit faire, nous? Eh bien, nous, on doit donner un contenu à notre demande. Je le dis depuis le début. Quand j'entends des camarades dire « grève générale », il faut dire « pourquoi ?» Je fais la grève, pourquoi? Pour faire une transition avec Bouchachi qui ne veut pas que le peuple s'organise. Moi, je vais me bagarrer pour, parce qu'on a un peu les grèves de la CSA, là. Non. Si je fais grève, quand on dit il faut des comités, il faut s'organiser pourquoi. Si on ne dit pas pourquoi, je l'ai déjà dit, on reste à la maison, on regarde la télévision, il y a parfois des bons films. Hein. C'est pas la peine de se casser la tête. Il faut savoir pourquoi on s'organise, quel changement on veut, quelle transformation on veut. Il faut un programme. Si on ne dit pas ce programme de transformation, un programme par exemple, au niveau anti-impérialiste, ben voilà, si on ne dit pas le programme anti-impérialiste, Daru Daru Madouroha, où là où ils appellent l'ONU, ils appellent Madouroha. Dans une démarche anti-impérialiste. Et c'est valable. C'est pas le moment. En ce moment, c'est le Hirak, le mouvement, le régime, ben chouf, hein, n'est-ce pas? Mais pendant ce temps, on a qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent les subventions, c'est fini, il y a la marque du populisme, il faut arrêter. Donc, on a mis le mlaïm, et lorsqu'on parlera, ça sera trop tard. Donc, il faut arrêter l'activisme blamana. Il faut s'agiter, il faut bouger, mais avec un objectif. Bien sûr que pour renverser le pouvoir, les manifs pacifiques du vendredi ne suffisent pas. Bien sûr qu'il faut une grève générale, au moins une grève générale, mais une grève générale avec un objectif, avec des revendications. Et quand je dis des revendications, mais chez Nengoul, il faut les grèves générales pour ça. Non, il faut que les travailleurs qui sont en grève aient ces revendications, etc. Avez-vous remarqué que les ouvriers ne se sont pas joints ni aux manifestations contre ces 17, ni aux manifestations du vendredi? Les ouvriers se tiennent à l'écart. Les gens qui vivent juste, ils se tiennent à l'écart. Parce qu'ils ne sont pas pris en compte dans les projets de nos personnalités démocratiques qui passent dans les belles télévisions. Je suis obligé d'aller un peu vite. Il y a le côté anti-impérialiste. Il y a le côté développementiste. N'aidbou had démocratie à la vie. Si 50% des travailleurs formels, des entreprises formelles, ne sont pas déclarés. N'aidbou had démocratie si on continue à avoir un SMIC à 2 millions par mois. Si on ne peut pas vivre. Mais fait de tirer. C'est pour décorer, pour qu'on dise « Ah, le beau pays et ses institutions sont magnifiques comme en Suisse !» En parenthèse, la Suisse, pays des voleurs. La Suisse, le business de la Suisse, c'est de cacher l'argent des voleurs du monde pour qu'ils ne payent pas d'impôts. Bon, alors... Donc... Et on doit donc parler de nos droits sociaux, on doit parler d'une politique de développement pour créer les emplois, on doit parler de tout ça. Mais le seul politicien bourgeois qui s'inquiétait de ça, hein, c'est Rahabi, qui disait un jour, il vaut mieux ne pas se presser parce qu'il faut laisser le temps à la société de se construire ses représentations. Mais les autres,
Ils sont pressés tout de suite. 3 mois, 6 mois, on vote, moi, Djabala, je suis candidat, moi, Bouchachi, moi, truc. Et bien sûr, Romain Banou, Hnaman Banou, le Chara ou Sakit, évidemment, c'est eux qui risquent de passer et on n'aura que nos yeux pour pleurer. Oui, pas un gouvernement provisoire, ce qu'ils appellent la transition. Oui, je suis d'accord pour un gouvernement provisoire. S'il y a une révolution, si le peuple est organisé en révolution, si les travailleurs, les classes populaires sont organisés en révolution, je suis pour que les représentants des travailleurs, des classes populaires à travers le pays prennent le pouvoir et qu'ils exercent le pouvoir à titre temporaire en attendant de mettre en place toutes les institutions de l'Algérie nouvelle. Mais sinon, si c'est pour mettre des libéraux, si c'est pour mettre des ennemis des droits des peuples, des ennemis des droits des pauvres gens, non. Donc, ce qu'on exige dans ce cas-là, c'est un plan d'urgence démocratique et sociale. C'est ce que j'ai dit dans l'une de mes vidéos et vous pouvez toujours la retrouver. Donc, au minimum, on exige pour commencer le droit de s'organiser, le droit de s'exprimer, le droit, etc., sans agrément, des trucs de Tlemsan à Tbessa et de Annaba à Intbouchet. Bon. D'abord, et on demande un moratoire sur les contrats avec les oligarques et avec les multinationales. Rendez-vous compte, en ce moment, on continue d'enrichir Darkout. C'est-à-dire, on continue de circuler avec les bus Darkout, alors que tout le monde sait que le contrat est obtenu en trichant, que le prix est 2 fois plus élevé que ce qu'avait proposé la RSTA, par exemple, à l'époque, etc. Mais on continue à faire circuler ses bus et à lui remplir sa caisse, etc. Il a d'autres hôtels à Barcelone à acheter, certainement. Et c'est valable pour au niveau international. Ben voilà, vous voyez l'accord, la loi sur les hydrocarbures. Un gouvernement chargé de la liquidation des affaires courantes. واحد قال لك ندير لونغلي كوم لونغ تيود الاخر قال لك ندير لا لوا سور لي زيدروكاربور الاخر ها مي نو سيتادير نو او كونتر اون دي توشي ا ريان دامبورتون ستوبي تو لي كونترا افيك لي غران فولور ناسيونو اي انترناسيونو اي ميزور سوسيال اورجانت اوغمونتاسيون اورجانت دي سالير نو با بور اوغمونتي مي بور راتراپي سو كون ا بيردو ديبي 2012 لو سميغ ايتا 18 000 dinars depuis 2012, et ben depuis 2012 à aujourd'hui, les prix ont augmenté. Et ben, donc, pour garder le même pouvoir d'achat, il faudrait un rattrapage considérable. Il faudrait faire la chasse. On nous parle de la caisse des retraites. La caisse des retraites est déficitaire. Il lui manque la moitié de l'argent. Mais en même temps, il y a la moitié des ouvriers qui ne sont pas déclarés. Ben, si ces ouvriers étaient déclarés, ben, la moitié qui manque serait là. D'autant que même les ouvriers déclarés, les patrons ne payent pas. Ils ont des arriérés sociaux considérables et tout. Et personne ne les poursuit. La dette monte et on ne les poursuit pas. Donc, il y a un plan d'urgence démocratique et sociale qui se fait. Bon, j'ai essayé d'aller vite à la fin, donc c'est peut-être pas très clair, mais on a un débat, on va pouvoir clarifier ces questions. Et je vous remercie à tous. Donc, avant de le passer la parole à Kamel, d'abord, la première chose, je demanderai aux camarades d'être bref dans leurs interventions pour permettre un maximum de pour permettre un maximum d'interventions. Donc je vous demande encore une fois d'être bref et voilà. Donc Kemed, donc merci M. Salah Chouqi. Donc on passe directement au débat. Donc on y sera les questions. Parce que si personne s'exprime, ça veut dire que tout le monde est d'accord,
Et donc je distribue des cartes d'adhésion. Donc je vais poser une question relative aux élections présidentielles du décembre de l'année en cours. J'imagine un peu que ce pouvoir, finalement, ne veut pas d'élection. Ils sont en train de, à mon sens, d'agiter un peu la situation, d'injecter des ingrédients qui font que, justement, ils ne veulent pas de ces élections. Parce que si, effectivement, ce pouvoir voulait de ces élections, il aurait quand même engagé des mesures d'apaisement. Alors que, tout au début, même avec le panel de Karim Younes, je ne voulais pas prononcer son nom. Voilà. Donc, Gaïd Sadah s'était prononcé pour dire il tombe des conditions d'Ajizia. Donc, Chorob d'Ajizia, alors que s'ils avaient vraiment envie, ils avaient cette intention d'organiser ces élections, ils auraient au moins projeté dans le sens de l'apaisement. Et puis, ils ont enfoncé le clou avec l'entrevue Ben Salah-Poutine, là où Ben Salah s'était prononcé pour dire qu'il y a quelques éléments par la nation, l'étranger, et on maîtrise la situation. Donc, on revoit le même discours qu'il y a juste après la première marche du 22, donc le 28 février, où Yahya avait déclaré, rappelez-vous, il a bien dit, c'est pas un des lirs, et Ben Salah a repris exactement la même chose pour dire qu'on maîtrise la situation et on va droit, à mon sens, vers un état d'urgence, un état d'exception, et je ne sais pas quoi. Parce que, au final, avec ces mesures d'interdiction du drapeau, la fermeture de la capitale, les incarcérations, les kidnappings, tout ça, c'est l'objectif au final, c'est simplement pour embraser le pays, pour le mettre à feu et à sang, pour justifier justement la violence qu'ils utiliseront et justifier les états d'exception, d'urgence, de siège, je ne sais quoi. Peut-être merci. S'interroger comme ça, on peut se dire est-ce que Gaïd veut vraiment, est-ce que le pouvoir veut vraiment ces élections, on peut s'interroger comme ça, mais comme acteur, comme militant sur le terrain, c'est-à-dire là, ça change pas la réponse, c'est-à-dire, on est contre les élections parce qu'elles ne sont pas loyales, parce qu'il n'y a pas les conditions pour les élections. Si on avait la possibilité de proposer un pouvoir, un gouvernement exprimant la révolte du peuple et tout, on le proposerait, par exemple. Donc, notre réponse ne change pas selon les intentions cachées de l'autre. Mais par contre, pour la réflexion, ça vaut le coup de se poser la question. Moi, je crois que tout est possible, d'abord. C'est pas une neige fait au stand. C'est pas exactement comment il pose le problème. Alors, plusieurs fois, les gens disaient, en fait, on n'est pas sûr que le pouvoir veut vraiment des élections, puisque depuis le début, il crée des conditions pour qu'elles n'aient pas lieu, etc. Mais c'est très périlleux une situation d'état d'exception. C'est comme les problèmes de coup d'état. On croit que c'est simple. C'est pas simple.
parce que le coup d'État, où il faut réussir. Deuxièmement, il faut que ça reste stable, c'est-à-dire les gens, il ne faut pas qu'un groupe de gens tout d'un coup se réveille contre, qu'il y ait des désaccords sur certaines décisions qui cassent la coalition qui a fait le coup d'État. Et donc, quelqu'un me disait que Mouhamedine Rabel, au départ, il y avait un avion à Boufarik qui l'attendait pour se sauver au cas où ça ne marche pas. Un coup d'État, c'est un pari risqué. Et c'est valable pour l'état d'exception. Une fois qu'il déclare la guerre violemment, etc., etc., ça peut nous faire taire, comme ça peut nous faire exploser d'une manière qu'ils ne contrôleront pas. Parce que le problème du combat de l'armée, du combat militaire, c'est que les trucs militaires ne sont pas des trucs techniques. Ce n'est pas des trucs qui se résument à la question militaire. Je fais une digression.